Voilà, tout en douceur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode avec en bonus la voix du matin. On se retrouve aujourd'hui pour tester un mode sorti sur Assetto Corsa qui est assez intéressant parce que ça nous ramène à un championnat dont on n'a pas trop l'occasion de parler mais qui fonctionne très très bien en Asie, le championnat japonais de GT, le Super GT qui est divisé en deux catégories, le GT500 et le GT300, sachant que le GT500 est bien sûr composé des voitures les plus puissantes et ici voilà, on nous propose un pêle-mêle des plus beaux bolides ayant composé ou composant ce championnat, même si là, il n'y a pas de bolide récent, hein, on n'a plus rien de ce qu'il y a de nouveau dans le championnat. Ce sont des voitures que l'on retrouvait dans les Gran Turismo il y a de cela quelques épisodes, notamment Gran Turismo 4, rappelez-vous. On a des voitures qui ont entre, allez, peut-être 5 et 10 ans, hein. La plus récente doit être la Nissan GT-R et la plus ancienne doit être, je crois, la Toyota Supra qui va sur ses, eh bien, sur ses 16 ans déjà, hein. Et on est sur le circuit du Mugello, alors on va tester, on est en live au moment où je vous parle, hop, on va tester un petit peu ces voitures pour voir ce que ça donne. Je vais aller sur différents circuits pour qu'on ait un petit peu de variété et qu'on n'aille pas toujours dans le gravier. On va rendre des circuits sans parc à gravier, ce sera mieux. Alors c'est un mode gratuit, est disponible dans la description. On devrait normalement utiliser que des circuits issus du jeu pour éviter les bugs de comportement, etc. Pour l'instant on est avec donc, cette Honda NSX plutôt véloce, bien équilibrée. Peut-être un manque de pêche, mais pour l'instant, elle est très agréable à conduire. C'est le comportement typique de ce genre de voiture. Beaucoup de grip en virage, pas trop de sous-virage. Elle est très bien équilibrée malgré le moteur air. C'est vraiment quelque chose de très très plaisant ici au Mugello. Allez, on est sorti du dernier droit et ça se passe bien. Vitesse de pointe assez correcte. On va essayer de pas trop aller taper dans le rupteur. En sixième, voilà, impeccable. Alors grâce à la magie du montage, vous allez voir que je vais vous proposer quelques plans intérieurs et extérieurs de la voiture, ce qui devrait vous permettre très bien de voir un petit peu ce que donne la réalisation de cette voiture. Et pour l'instant, j'ai pas vu trop d'erreurs, trop de défauts à mon goût. On verra après, peut-être que sur l'image, vous allez voir des choses qui vont clignoter, etc. Mais en vue intérieure, en tout cas, c'est très plaisant. Et la voiture est plutôt sympa. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de la voiture en vue TV. Sur la partie replay de ce test. Allez, on quitte la pit lane. Un petit coup d'œil pour voir s'il y a personne qui arrive. Normalement, on devrait être seul sur cette piste du Red Bull Ring. Alors, on est avec désormais. Oh, ce bruit est absolument atroce. Si je vais un peu trop dans les vitesses, mais c'est pas du sur-régime ou le rupteur. Oh, on va essayer de freiner tout doucement en deuxième. Alors, on est avec la Lexus SC430 qui a été élue par Top Gear. Rappelez-vous, voiture la plus moche de l'histoire. Et je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai qu'elle n'est pas. Très joli. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je ne suis pas encore au rupteur, ni dans la zone rouge véritablement, et on a déjà un bruit de rupteur qui est très énervant. J'essaie de vous en laisser un peu profiter en vue on-board, mais c'est assez dérangeant. Alors on passe à quelque chose de bien moins puissant que la voiture juste avant, et on le sent tout de suite dans le comportement, on a quelque chose de moins large, de plus effilé, d'un peu moins puissant également, quelques chevaux de moins sur cette Lexus. Ouais, on a toujours ce sentiment de gratter le rupteur, mais on n'y est pas du tout en fait, hein. C'est ça qui est assez chiant. Désolé pour la vulgarité, c'est assez dérangeant.
de voir que la voiture est déjà à la limite. Alors comme on est sur une petite piste, on va faire ensemble 3 tours. On descend le droit Jürgen Rindt. Vous avez déjà eu droit à cette piste dans le Grand Prix d'il y a quelques jours. Et en Audi TT Cup, décidément, on va prendre un abonnement en Autriche après Spa-Francorchamps. Allez, on passe devant la ligne droite des box. Elle a toujours ce sentiment d'être au rupteur, mais ça n'est pas le cas et c'est assez dérangeant. Allez, on va essayer de voir si on tombe en 3 ici. Allez, ça passe. On a un peu de sous-régime. Alors, une voiture très bien réalisée également. Pas de gros défauts au niveau de la réalisation, que ce soit des ondes, des textures et du clipping. C'est vraiment parfait. Au niveau du son, c'est assez banal, je trouve. On va voir un petit peu ce que ça donnera en vue extérieure. Mais la voiture semble... Oh, ça bloque les roues. On est un peu large ici, mais bon, c'est une voiture qui est un petit peu différente que la Honda NSX qu'on a testée juste avant. Je pense qu'après, on va tester, je crois, la GTR qui serait peut-être un petit peu plus musclée, un peu plus véloce que ces deux-ci. Je m'attends à un comportement un peu plus bestial parce que là, j'ai vraiment l'impression de me balader en GT3, limite en GT4, et c'est assez dérangeant au niveau de la physique. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Dieu merci, on était en fin de pit lane et on n'a pas dû attendre 10 minutes avant d'être libéré. Donc on est sur la piste de Silverstone. Oh, avec la Nissan GT-R la plus récente, je crois, du pack. Alors il existe également la Nissan GT-R, la R34 de 2004 ou 2003, je pense, qui est en mode, mais elle n'est pas regroupée dans le mode que vous retrouverez dans la description. Oh, le sous-virage, on doit soulager un petit peu ici. Ah, là, quelque chose de beaucoup plus véloce, et ça fait plaisir, j'ai là vraiment enfin l'impression d'être dans une GT500. Allez, on touche les freins, on est très sobre, elle bloque moins rapidement que ses deux premières petites camarades, celle-ci, mais elle est aussi plus vive, plus de puissance, on a l'impression qu'elle est un peu plus démentielle. Au niveau du bruit, c'est aussi beaucoup plus fun. Et je vous ai laissé profiter du son de la voiture en passant à Cops. C'est plutôt intéressant. On va arriver dans Maggots Beckett's Chapel. Toujours un très bon test pour les voitures. Droite. Le gauche. On va peut-être redescendre en 3. Allez, pour relancer à la sortie avant la ligne droite des hangars. Ouais, c'est bien. Très agréable pour l'instant. C'est ma préférée.
en termes de comportement pur, bon, un petit défaut au niveau du volant qui est en ovale, hein, qui est un peu ovalisé, donc la main du pilote dans les virages, vous allez le voir, on va tourner à droite, vous allez le voir, je l'espère ici, regardez, voilà, va passer un peu à travers le volant, c'est quand on braque un peu plus, ici ce n'est pas suffisant, peut-être que pour la chicane, vous le verrez bien. En tout cas, très convaincante cette Nissan, et pour l'instant c'est vraiment ma préférée. Vous voyez, voilà, la main qui passe un peu dans le volant, si c'est vraiment un défaut qu'on peut lui trouver. Mais elle a l'air plutôt sympa, on va voir dans le prochain tour ce que ça donne en vue extérieure. Profitez un peu de ce son, qui a l'air d'être le seul qui a l'air réussi dans ce pack GT500. Je vais peut-être retirer ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Nissan GT-R. On a quelque chose de beaucoup plus sympa ici. On retrouve la dernière voiture, la Toyota Supra au Nürburgring. Et on est dans le Castrolless, qui n'existe plus. C'est la Mercedes Arena maintenant. Sinon, on était raccord avec la livrée de la voiture. Alors, cette voiture existe en deux versions, la version GT500 et la version Supra GT 2005, vous avez les deux dans le pack. Bon, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Moi j'ai pris la GT500 pour coller jusqu'au bout au thème de cette vidéo du mode à la mode. Également là, le Rupteur. Mais là on y était vraiment, hein. Donc comparé à la Lexus tout à l'heure, ici on est vraiment dans la zone rouge. Donc c'est justifié ce bruit. On a vraiment un comportement très différent. L'approche me fait un peu surprendre. Alors cette voiture a l'air de bien tenir le pavé avec un train avant beaucoup plus simple à placer de par son moteur placé également à l'avant. On va voir si on n'a pas trop de sous-virage. Non, c'est impeccable. La sortie, peut-être un petit survirage sur le vibreur. Non, ça ne bouge pas. Précision incroyable de cette Toyota. Alors, est-ce que le S Schumacher, non, faut soulager. On passe un peu dans l'herbe. On va encore sortir. Non, ça va. J'ai cru que j'allais me mettre dedans. Allez, les freins pour le S Warsteiner. Ouais, ça passe. Bon, vraiment très agréable cette voiture. Et la plus punchy, la plus fun. Elle est moins large et moins lourde que la Nissan GT-R qu'on vient de tester juste avant. Donc pour moi, ça reste ma préférée. Ben, on est dans l'ordre en fait du classement de mes voitures préférées. Seule la NSX passerait troisième. Donc d'abord celle-ci, ensuite la Nissan GT-R, la NSX et enfin la Lexus qui m'est totalement indifférent parce qu'elle n'a aucun comportement particulier. Les trois autres ont l'air d'être plutôt à se bagarrer. Alors, à les mettre ensemble en piste, je ne sais pas. Mon ami Max m'a dit que sur un tour, elles étaient différenciées parfois de jusqu'à 2 secondes en termes de performance. Donc, c'est pas non plus l'idéal. On va voir un petit peu ce qu'elles donnent une à une. Et franchement, moi, j'adore cette Toyota. Puis, vous allez le voir au montage que visuellement, ces livrées vont vous rappeler de bons souvenirs si vous étiez joueur PlayStation.
Si pas, eh bien, si vous êtes simplement fan des livrées Castrol, celle-ci vous fera très plaisir. Mais dans le comportement, c'est vraiment la meilleure. Voilà les amis, c'est ici qu'on va refermer ce test, cette découverte du mode à la mode dédié au mode GT500, le championnat japonais que vous pouvez retrouver dans la description en téléchargement gratuit. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu ces bolides dont on n'a pas l'occasion de voir tous les jours les modèles tourner en piste. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Donc d'ici là, bon amusement en piste, salut !